Salut les amis du Ciné-Club, salut Andrés Hello tout le monde Première vidéo, comme d'habitude, les commandes du mois. Et là, il y en a une flopée, il y en a ici devant moi, il y en a ici, il y en a qui doivent arriver. C'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire, tu me voles les mots. Mais il faut dire évidemment, juillet, août, donc euh, ouais. ça, ça chiffre en tout, ben, ça nous fait une grosse euh, dizaine, J'ai, je pense même... Une euh, quinzaine quinzaine j'en ai si ça arrive si ça arrive en, en temps j'en ouais, je, ai bien peur donc euh, autant te dire qu'il faut pas perdre de temps et s'y mettre euh, tout à fait nous euh, perso là on vient de finir le boulot on est parti pour un long week-end quelle plus belle façon que de le commencer avec une petite vidéo du ciné club pour une fois c'est pas le vendredi. On commence ça jeudi soir. Mais <laughs> le... le vendredi, on travaillera quand même. Hein. Ouais, euh, vendredi, on sera, coup. on sera de retour ici pour ouais. euh, la suite du programme du mois de septembre. On commence par le tout premier. Quid 3. Tu l'as vu, toi, Andrés? Oui. Moi voilà. Je vu. Moi aussi, je l'ai vu et, ah, tu l euh, vu. mais je l'ai vu euh, le week-end passé. Ah, voilà. Il est là devant. Euh, il fera office d'une vidéo dans la, le compartiment, le nouveau compartiment flash. La rubrique vidéo flash. Ouais. Euh, je sais pas vous, les amis, ce que vous en avez pensé euh, personnellement, mais moi. Euh, moi, c'est la suite de trop. <laughs> c une fois de plus, hein, une fois de plus. Euh, un abus, un abus. On se répète dans le ciné club, mais les bonnes choses ont une fin et il euh, y a rien à faire et on continue, on continue, on continue. Stallone manque cruellement. Ouf. Énorme. énormément mmh. dedans, euh, on, le, on, on le cite même pas quoi. Si une fois, une fois. Une fois même. Mais... J'entends une fois son nom. J'ai fait attention au détail. Oh, mais... C'est vraiment. Oui, mais c'est Rocky quoi. C'était petit... ouais, l'héritage. Ouais. Euh, si, si mes souvenirs sont bons, euh, Creed 1 euh, ou le 2, c'était ouais, l'héritage ouais. de, de Balboa. Mmh. Et puis bon ben là on en parle même plus. Ben, franchement moi, comme s'il n'existait plus. Enfin, je je l'ai acheté par euh, curiosité plus qu'autre chose. Mm. Et puis j'avais le 1, le 2, mais euh, franchement s'ils émi... imaginaient l'instant faire le 4, ben sans sans moi, book collector ou pas. Désolé, non, euh, Creed. Je suis désolé. Il y a plus, c'est plus c'est plus Rocky, c'est Creed. Donc non non donc, mais moi faut fini. pas, on va pas se voler la face. Je suppose que comme moi il y en a des non, Mi... oui. des millions à travers le monde s'ils ont suivi euh, les ouais, aventures. Ouais, ouais, ouais. Euh... Le 1, le 2, le 3. Bah ben, c'est ouais. parce qu'il y avait Rocky derrière. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Enfin, ouais. Ou plutôt même de Devant, quoi. <laughs> il y a plus, il y a plus de Rocky. Ben euh, pour moi, c'est le dernier. Euh, on passe au suivant, Monsieur euh, Batignol. Voilà, belle histoire que ce Monsieur Batignol filme de et avec Gérard junior Il date Carrément. déjà. Ah ouais, il date déjà de 2002, un très bel hommage à la résistance française. C'est un film, figure-toi, que hmm, j'avais offert à, à mes parents mm -hmm. euh, lorsqu'ils sont partis vivre euh, en Espagne. Et puis, bon, bah, en faisant les rangements euh, des vidéos le, un mois avant de partir en vacances, je pense. Euh, On eh ben, figure -toi tu ben, Figure-toi que je me dis, ah, j'ai envie de me revoir Monsieur Batignol, ça fait longtemps, je vais, je vais une fois me le voir parce que je me rappelais à peine du... du ça m'arrive souvent. Ouais. Hein. Ça, ah, ben, ben, oui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je vois un film, c'est bon, je dis, non, moi pas, quoi. moi... je. Ça, moi ça dépend. Ça dépend, dépend. ça dépend. Ça dépend cas mais... Par exemple, Le Prince Noir, c'est un film que je l'ai vu une fois vaguement comme ah. ça, mais sans plus. On ici, tu vois, ben, ben, par exemple, ici, je me rappelle plus de la fin, mais c'est ouais. vrai que c'est un film que j'ai vu à tout casser dans ma vie une fois une ou deux. Ou de... Il date déjà de 2002, justement. Donc cet été, euh, là je suis descendu là-bas, je l'ai vu, il était là, tout poussiéreux. <laughs> Euh, maman m'a dit qu'elle ne regardait plus les, les vidéos, qu'il serait tellement mieux chez moi à la elle maison. Elle nous regardait de... nous. Elle, 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 elle regardait C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. Est vrai. <laughs> elle est, elle, les temps moderne, hein, voilà. c'est fini maintenant. L'iPad et compagnie. Elle me dit bah non, prends le. Franchement, euh, ouais. il est infiniment mieux chez toi que chez moi. Et donc bah voilà, je, je me suis permis de le, de le reprendre vu que je ne l'avais pas. Et je ne vais pas tarder à me le, à me le revoir parce que c'est un film qui m'avait beaucoup plu à l'époque. D'ailleurs, Gérard Junior, ben, pour moi, j'adore, J'aime beaucoup. Ah oui. Le réalisateur et l'acteur. Jaws 2. Oula, le voilà. voilà. De Jano Zwark, pas de Steven Spielberg comme certains pourraient euh, le croire, pourraient le croire oui, encore. Aussi, aussi, le et Il nous revient en 4K Ultra HD, il fera office aussi d'une vidéo euh, flash euh, spécial Steelbook. Je sais pas si vous le voyez de là. Quelle horreur, quoi. Okay, bah écoutez. Quelle euh... horreur, quelle quelle horreur d'avoir. On, on, on laisse pour la vidéo, c'est mieux. Ouais, ouais, je vais, je le laisse pour la la petite vidéo. Ouais. Euh, je donne un peu mon avis. Il y a des choses à parler. À des... Ouais, ouais. Euh, ouais. Bah bon, franchement. Euh... Malheureusement, dans le mauvais sens du terme, pas dans Surtout, des... surtout du surtout du côté visuel, quoi. Ouais. Je vous laisserai quelques petits mots dans la vidéo flash qui ne devrait pas tarder. Euh... Euh, ah, vous, oui, oui, vous allez vite vous familiariser oui, oui. avec. C'est souvent, souvent, presque, quasiment que du steelbook. Donc voilà. Pourquoi? Parce que on préfère, euh, pour euh, être très bref, on en a déjà parlé dans, dans l'intro. Euh, on préfère euh, prioriser. Euh, des collecteurs comme celui-ci qui arrive ici tout de suite des vrais collecteurs euh, qui ont une particularité oui. mais sinon voilà des collecteurs avec photos euh, bouts de pellicule goodies etc oui. euh, voilà mais bon on continue on, on lâche on, pas on, pour on autant les Steelbook on continue à vous présenter ces, ces, ouais. ces produits pas. voilà celui-ci ressemble à un Steelbook mais ce n'est pas oui. un Steelbook c'est oh, c'est une fois de plus Tom Cruise Top Gun Maverick euh, 3.0 <laughs> <laughs> 3.0 vous vous, vous, vous aurez tout vu sur la chaîne, il hein. euh, y a eu le, le Steelbook, il y a eu le super gros collector, il y a eu le collector euh, 2.0, 2.0 euh, où on avait nous-mêmes rajouté ce qui nous semblait euh, indispensable, à, à une édition collector digne de ce nom. Et puis je suis tombé sur ça sur une vidéo. Enfin, voilà. On avait vu justement. Mais on... Ouais, c'est l'édition, c'est l'édition Aero Design Metal mis. Pack. Donc on le voit tout de suite. Hein, quand l'a en main, euh, ce n'est pas est, un est pas... Il, il... il y pas une grosse différence de. Ouais, il a, il a une belle histoire. On va tout vous raconter ouais. et euh, euh, autant vous dire qu'on se pose encore la question euh, très brièvement. S'il ou pas. Ouais, en fait, euh, il y a juste un cellophane dessus. À l'intérieur, euh, le, le, le truc, c'est d'enlever euh, la couche protectrice qu'il y a. Euh, sur euh, on va appeler ça le, le, le steelbook, steelbook. Euh, malgré tout pour arriver à Coffre -book, ouais. Ouais, ouais, pour, arri pour arriver donc à la peau si on, va, ouais. si, si on veut de, de ce merveilleux coffret, il est fabriqué euh, à partir d'une carlingue d'avion donc euh, carlingue de, de pilotage d'avion de trucs à l'intérieur, vous allez voir, c'est passionnant. Moi, je l'ai je l'ai découvert par hasard dans une vidéo. Moi, je pensais franchement que c'était un style métallique ouais, ouais. avec euh, un petit clin d'œil. Non, 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 non. Il y a vraiment c'est c'est vraiment tout un concept en fait dans dans, dans ce dans ce serait ouais, spécial. Oui, je dire. pense il y a que y concept derrière ouais. tout ça. C'est ouais, pas ouais. juste, voilà. Le... Oui. D'ailleurs, si on lit un peu Andrés, hein, tu peux ah ouais, tu peux sûr, faire, faire la lecture. tu peux faire la lecture juste pour faire la présentation et donner euh... envie de voir le collector. Cette cette édition exclusive et ouais. unique d'inspiration Aéronautique ouais. est créé en collaboration avec la société Aero Design. Ça. Le boîtier Metal Pack Top Gun Maverick est recouvert d'un film blanc protecteur qui permet de garder la surface ultra réfléchissante. Ouais. Intact et sans traces. Ouais. C'est ça qu'on appelle nous. nous. Ouais, euh... ouais, C'est ah, vraiment ouais. un, miroir et, un miroir et on nous conseille clairement pour euh, déballer ouais. le. Pour faire le. D'avoir de, des gants. Oui, avoir des gants spéciaux. Ouais. Étape à suivre pour un déballage optimal du ouais. Metal Pack ouais. Retirez délicatement le cellophane recouvrant ouais. l'édition ouais. décollez le carton au dos, de, au dos contenant les informations du film ouais. menuisez vous des, euh, des gants ouais. afin de ne pas laisser des traces. Ouais. sur la surface, mmh. décoller délicatement le film plastique blanc ouais. en partant du coin et retirer doucement. Bon, ouais. Tout un, tout un. Tout un processus à faire. Alors euh, nous, pas... nous, nous, on se pose encore la question. Moi, de toute façon, euh, je vais finir par le faire. Ah oui. Euh, mais dans. Mais, mais euh, le truc, c'est que c'est une fois que tout est déballé, que tout ce fil protecteur est enlevé, on a on a affaire carrément à un miroir et la moindre trace ouais, de doigt, euh, c'est. Moindre... On, on, on ne voit plus que ça. Quoi. Ouais. La moindre trace de graisse, de doigt. Ouais. Tu... Donc euh, l'idéal là-dessus, ça serait d'avoir, euh, ben, de pouvoir l'exposer dans un, un espèce de plexi euh, fait à mesure point donc euh, on, on va en faire la vidéo, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'on va le déballer directement euh, ou alors euh, on va vous euh, le montrer à, à travers euh, une vidéo, une vidéo Je pense que le truc le plus sympa quand même c'est de, de, de l'ouvrir. On, 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 on va être patient, on va le faire bien. Ouais. On ne dit pas le faire à la va-vite. Et on, on essaiera, quoi. Ouais, donc, euh, <laughs> le, le faire tranquillement... On va prendre une journée... Prochaine. Non, le, le truc, c'est qu'une fois qu'il est déballé... Euh, où est-ce que tu veux l'exposer ouais, ouais, où je vais, vais l'exposer, quoi. Il doit être protégé à un mm. endroit. Mm. C'est plus un, un... Une décoration pour une, ouais, une c'est ça, ça. Et, le, et le laisser comme ça dans mm. ma collection, c'est... ça va rayer bah, ça. C est, c est, c est, Non, c'est pas que ça va rayer, mais c'est... À quoi bon l'avoir acheté, quoi mm. Si t'en profites pas mm. Mais bon, faudra, faudra voir. Ou alors, on le laisse pour le mois prochain et... Euh... Le, le le temps de trouver un plexier et de une le protection, poser à... ouais, c'est ouais, ça que un cadre protecteur entre ou alors enfin, well, on, on vous le montre comme ça mais bon je pense que le le, le truc là-dessus c'est le plaisir quand même de le déballer mm. d'en faire une vidéo et de découvrir tous ensemble ce euh, que c'est ce que c'est mm. ça a l'air d'être magnifique quoi ouais. et puis euh, pouvez voir la réaction Où, de... vous vous savez pas mais ici je, je je maintiens le petit point. ah bah ouais regarde tu tiens un steelbook oui, 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 euh, non, voilà tu le, vois le, la différence euh, hein. poids... Allez, cinq fois plus lourd. Euh, non, cinq ça... fois. Si si si. Tiens tiens, cinq fois plus. Moi, c'est oh, oh, ouais, cinq ouais, fois plus lourd. Hein. C'est beaucoup. Il en impose et euh, je suis impatient. Franchement. La suite. Euh, L'exorciste du Vatican. Ben moi, c'est un film. J'en ai entendu parler. La première personne qui m'en a parlé, c'est mon frère. Ok. Donc euh, perso, je l'ai commandé. Toi, qui aimes bien les films, euh... j'ai pas. Enfin, moi, j'étais plus sur l'Exorciste tout court là. Non, bien sûr, bien sûr. <laughs> pas la nouvelle version, hein, pas... non, non, mais j'ai ouais, ouais. entendu. Enfin, d'abord, c'était l'Exorciste qui allait ressortir au cinéma. Ouais. Et après, j'ai entendu la, la suite de l'Exorciste. Que... Et, et le, et no et comment. Le... Ouais. Et après, j'ai entendu celui-là. J'ai. Ouais parce que parce ne pas confondre il y a quand même le coffret collector de l'exorciste qui sort mais ça c'est pas pour septembre ça c'est pas pour septembre c'est pour octobre novembre mais l'exorciste du 21 ça je sais mon frère a été le voir il m'a dit qu'il était il assez assez sympa ben écoute moi franchement ça me rappelle si je ne me trompe pas, tu l'as vu dernièrement avec Anthony Hopkins, The, The Rite. Le Rite, ah. Non, le Rite, c'est autre chose. Et, 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 et j'avais vraiment bien aimé. Ah, le Rite, est super. Donc, hein, est euh, il, ici, euh, ça, ça, ça me botte, ça me botte et je l'ai précommandé. Juste, petite parenthèse, moi, je n'ai même pas vu la bande-annonce avec ça, chez tout euh, pourtant je suis, je suis sur Youtube mm -hmm. euh, la, la, la critique les, les notes enfin qu'est-ce que ça vaut ça dépend ça, ça dépend il ça y, y a à boire et à manger okay. là-dessus okay. euh, okay. si on le compare à ouais à... non tu peux pas comparer Mais, tu y peux y a... plutôt aller au rythme ouais, c'est ça, ça. ça moi, moi c'est ce que je m'attends ouais, c'est pour, oui. pour ça c'est pour ça que je me le suis, il, suis précommandé fait flipper quand même le rythme entre nous il était fort surtout fort surtout attention pas de 4K dessus du Blu-ray et c'est prévu pour le 13 septembre. Le 13 septembre, les amis. Euh... Donc voilà. Euh, on passe maintenant à un superbe film, un des plus beaux euh, films presque pour moi, euh, c'est vraiment culte. Euh, le pianiste de Roman euh, Polanski avec euh, Adrian Brody qui joue le rôle, un nom imprononçable, Spielman, je, si je me ouais, souviens bien. Vous avez Mais, les... À tout, côté, de toute façon. Surtout, surtout, surtout. Euh, quelle prestation, ouais, quel, quel ouais, film. Ouais. Franchement, moi, ah, c'est un bah, film qui m'avait euh... marqué. La scène en elle-même, euh, ouais. lourd, lourd, ouais, ouais, lourd, le, lourd. Le, le ghetto de Varsovie, euh, vraiment pff, impressionnant. Une page euh, de l'histoire hi euh, vraiment super bien retranscrite mm -hmm. euh, dans, dans ce film de Roman Polanski pour le cinéma. Donc, euh, il sort le 27 septembre et d'après ce que je vois, il sort bien en 4K. OK. Donc euh, achat les amis indispensable ah. hein, ça c'est comme ce qui vient juste euh, après. juste après euh, ça continue euh, les évader dans une superbe dans les éditions euh, les, Volt éditions Volt donc ils ouais. font plutôt bien les choses il y a déjà Très quelques bien, titres ouais. qui sont sortis hein, on va pas mais euh, donc il y a les évader euh, nous avons Jaws oui. Euh, 2001 de l'espace entre autres, hein, entre euh, autres on, mais... on, on... on les connaît pas tous Apollo 13, Apollo 13. Euh, il semblerait qu'il y a les affranchis aussi mais ouais. là euh, ça, ça sera peut-être pour toi, moi j'avais acheté les éditions ouais, ouais. après j'aime tel... tellement le film je ça, quoi. et en plus j'en sais pas ce qu'il y a dedans et moi j'ai je je sais... rien vu encore ouais. donc, euh... donc franchement euh, si... les RAD, ouais, vous en verrez euh... pas tous mais presque, mais presque. presque. parce que ça, ça m'attire vraiment lui et moi on complète la donc voilà, donc les évadés, euh, euh, film inspiré directement de l'univers euh, de, euh, de Stephen King, magnifique pour beaucoup de cinéphiles, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, il date déjà de 1994. 94 pour nos amis français avec Morgan Freeman et Tim Robbins franchement un grand tout grand moment de cinéma une édition collector 4K tirée à 5000 exemplaires <laughs> donc ça va quoi ouais, ouais. mais bon ça va vite partir ouais, surtout si, si, si les collectionneurs commencent à prendre la c'est clair la ah, nouveau film Hérédité alors euh, pour les fans là, là. justement de films ouais, d'horreur épouvante j'en ai, bah, ai pas du tout entendu parler ben si, plus, si mais... je suis honnête avec vous euh, il s'agirait d'un film euh, d'horreur paranormal euh, qui joue vachement sur le psychologique réalisé par euh, Harry Astor inconnu au bataillon ça serait son deuxième film ouais, le premier euh, s'appellerait Mid Somar je sais pas, non, si jamais... à ce qui paraît, chez les amateurs du genre, euh, ça, franchement, ça il avait plutôt bien marché. Euh, J'ai été voir les critiques sur euh, Amazon. Ouais. Ça vend bien, c'est bien. Ouais. Et c'est mon fils. C'est mon fils. Il me dit, écoute, je sais ton genre de film d'horreur, ce qui te plaît, qui ouais. casse la tête, qui fait réfléchir. C'est pas 400 000 coups de couteau et de l'acide sulfurique dans la tronche. Franchement, tu vas, tu vas vraiment aimer. Je ne t'en dis pas plus. J'ai dit, ben, écoute, je te fais confiance. Je le précommande. Il sort le 1er septembre. Ah, bien et c'est un film, déjà, qui date quand même de 2018. Donc, euh, il serait sorti, d'après ce que j'ai lu. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Ouais. Pas. Il serait sorti chez, sur le bazar là d'Amazon. Oui. Oui. Et euh, là, il vient quand même en support physique. Donc voilà quoi, c'est le Amazon genre. Amazon Prime. Ouais. ouais maintenant, c'est le genre de film qui qui pourrait parfaitement faire un chronique movie. On en avait fait un génial avec les avec, euh... les deux films. Oui. Hein, oui. De chaque fois, le nom de Wall ou de Wall de Fall, de Fall, voilà. Donc vous voyez la petite photo, hein, c'est <laughs> ouais, mieux. C'est et, et, et franchement, c'est un film qui m'avait surpris et qui qui vous avait vachement plu parce que. Comme retour, il y a pas mal d'entre vous. Il y avait quelqu'un qui l'avait vu et qu'il se sentait pas bien dans bureau. Ouais ouais, 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 c'est vrai. Si non, mais euh, lui, non. il l'avait tellement. Il, il en avait le vertige dans le bureau et tout, quoi. <rire> <rire> il dit, ça m'a. Mais franchement, très bien fait. Ben, peut-être, ouais, peut-être, ouais, allez savoir. Noir, hein. Pas toujours que les, les gros blockbusters et les gros titres. Hein. Mais euh, mais la... les, les petits ovnis euh, ouais. ont toujours leur place ici. Ouais, ouais. Celui-là qui vient maintenant n'est pas un ovni ah, du mais tout, mais hein. Du coup, Andrés, Opération Dragon. C'est Andrés qui l'a pris celui-là. Il vient en Steelbook 4K Ultra HD, prévu pour le 20 septembre 2023. Il date déjà de 1973. Non, oh, c'est une édition spéciale anniversaire, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être. Ouais. Euh... Ça, forcément, on parle d'Opération Dragon. Ouais, hein. fallait moi, la voir, il fallait moi, la voir. Moi, il, il y a une scène qui, qui me revient, les miroirs avec les le... Miroir euh, la, la, c'est presque la femme avec le... Ouais, ouais, c'était franchement... Ça, ça m'avait marqué, ça, quand j'étais gamin. <laughs> c'était génial. Et puis, le, le, la fin, c'était dans l'île. C'était ouais, vraiment dans l'île. Hein. Ouais. C'était vraiment... Pas mon préféré. Moi, c'est aussi avec Dragon, ouais. mais c'était la fureur du Dragon. La avec, la avec Chuck euh, Norris, ouais. La, ouais, la le Ocolisée, colisée. de et alors, un film que je recherche, il existe aux éditions René Château. Moi, je l'avais. Je ne sais pas où il est passé. Manifestement, j'ai dû le vendre ou... Je pense que je l'ai vendu bêtement parce que j'avais racheté euh, euh, le, le pack le complet pack de, de, de de Bruce Lee mais ouais. la version française mono d'origine avait disparu et moi j'adorais ça là ça là, change là. tout le voilà ah, ouais, la, la version française mono d'origine ouais. elle était magnifique tous ouais. tous les dialogues étaient dans ma tête et <laughs> puis quand j'ai vu ça j'ai ah, non 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 je dois le retrouver donc je cherche mais je pense que je on trouvera on trouvera, tout on tout trouvera là ouais, je ouais. sais que c'était sur euh, René Château vidéo ouais. super en tout cas toi tu l'as acheté Andrés ouais. Donc on en fera une vidéo flash, un steelbook, ça sera une vidéo flash. Et j'espère que... Photos d'intérieur, sûrement les miroirs, non euh, je, me suis pas su... je sais juste la façade devant, c'est tout, mais à part ouais. ça, j'ai pas vu plus que ça. C'est génial, franchement. En 4K en plus, non Ou ouais, En 4K aurait 4K. En trois compte, quoi. Ouais, ça, va bon. quelque... ça va être quelque chose pour moi, en tout cas, de revoir. Euh... Ouais. Ce qui ne va peut-être pas être quelque chose, c'est ici. D'Artagnan. Alors je sais que certains d'entre vous, mmh, euh, donc moi aussi, ouais, euh, ouais, euh, euh, l'ont déjà vu. Oui. Moi j'ai vu là-bas. J'ai pas vu. J'ai juste vu que qui c'était. Non je... non mais des, ah oui les, des, nos amis, nos non, amis du ouais, ouais, oui. Euh, des amis du ciné club l'ont déjà vu. Moi ça m'attire énormément quoi. C'est-à-dire que ce film, c'est Cap et, et DP. Cap euh, et D'Artagnan. Euh, ouais. euh, j'ai vraiment envie de tenter ma chance. Le Steelbook. Je vous le présenterai en vidéo flash également. Il y a de la et, et bien foutu, ah, hein. il y a, euh, y a ce petit côté il relief. relief, il mmh. est vraiment pas mal. Et il semblerait que le film regarde déjà quand tu vois les costumes, oui, oui, je décors vois les et décors tout. et tout. Hein, non, moi personnellement ici avec euh, euh, D'Artagnan, le, le, les capes et des ben c'est un peu ridicule à dire, hein, mais c'est c'est quasiment tout mon enfance, hein. bien sûr euh, le roman entre guillemets. Moi perso, je l'ai pas lu, mais j'ai grandi avec D'Artagnan, oui, avec exactement. un petit dessin animé qui passait à l'époque. Je pense pas si tu l'as vu, c'était un chien. Ah c oui oui, oui euh, c'est un classique euh... c'était vraiment oh ouais, ouais, je vois euh... et, et... vous avez les images ouais et, et, puis... enfin, et puis... c'est pas c'est eux c'est les personnages qui sont des chiens tu veux. enfin des... ouais, le, le, le ouais, personnage ouais, de D'Artagnan ouais, enfin, c'était un dessin ouais, animé ouais, quoi, quoi, quoi j'étais ouais. gamin j'avais peut-être euh, 10 ans je regardais ça euh, le dimanche matin je me souviens ici euh... À, à la TV, donc euh, on a été, on a grandi là-dedans. Et puis, euh, contrairement à beaucoup de personnes, le film avait été quand même un peu critiqué. L'homme au masque de fer. Moi, j'avais mmh. adoré. J'avais adoré. Si je suis honnête avec vous, euh, c'est même là que j'ai commencé à, à vraiment euh, apprécier euh, Leonardo DiCaprio. Parce que tu vois les deux facettes, hein, il joue le. Mmh, les deux rôles. Wow, c'était vraiment magnifique. J'avais vraiment bien aimé le film. Ma femme aussi adorait. Et bon ben, j'espère que d'Artagnan soit un. Homme, ouais ouais, j'espère. Je l'espère je, 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 je franchement. Je l'espère franchement. Les critiques sont assez bonnes et bon, on verra. Ouais. J'ai vraiment envie de voir. Euh... Et ça va dans les trucs flash, dans les vidéos flash. Euh, vidéo flash oui. également. On fera le compte après. Il y en a déjà quelques-unes. Mmh. Hein. Alors ici, comme je ne sais pas prononcer le le nom correctement en anglais, on je en dirais... en <rire> <rire> la baleine, donc film bouleversant, film puissant, film magistral, lauréat de deux Oscars lors de la dernière cérémonie à chier des, des, des Oscars. Mais bizarrement, euh, ce film a une le... très très bonne critique. Ouais, hein. ouais, ouais. Ce qui paraît, tu as envie de pleurer. Euh, ouais. Très 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 très, très performance souvent, ouais. déjà, rien qu'à l'image. Oui, le de... maquillage, le maquillage. Oh, je... ouais, ça, ouais. Ça, ça, Formidable. À découvrir, et je pense que ça sera vous, vous, exactement, Andrés, <laughs> Vous n'avez pas, fait, parce que là, c'est pas un steelbook, c'est pas un collector, c'est juste un amarré. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler du film parce que vous allez entendre parler de ce film en longueur, le puisque euh, on va en faire un. Si vous avez suivi le le live du mois d'août, vous êtes au courant. On va en faire un mensuel, donc la soirée avec tous les copains, euh, notre soirée vidéo du vendredi soir et euh, On va bien sûr euh, parce que je, tu ne l'as jamais vu toi. Non non non, tu m'avais dit moi non plus, attendu. Eddie non plus, Pedro non, non plus. Mais on en avait parlé, c'est la dernière fois un peu qu'on a. on, allait bah on hésitait, si on est honnête fait, avec voilà. vous entre euh, euh, ici la euh, baleine et, et euh, Avatar, donc on, et Avatar, on, on voulait on voulait se le faire en 3D, mais bon euh, là on vient juste de reprendre le boulot, on revient de vacances, donc on s'est dit on va permuter, on va regarder celui-ci pour le, le fait, mois d'août euh, et enfin pour le, le mois en de septembre. septembre. Et alors, pour euh, octobre, on aura l'occasion de... Si on fait Avatar. Voilà. Bah, euh, on, a, on a le temps pour voir Avatar. Euh, Son... Puis Avatar, on en a déjà vachement parlé. Par contre, lui, pas encore. Il, donc, il euh... passe, il passe, je pense. Et je pense qu'on aura, on aura une claque euh, visuelle aussi. Non pas, ouais. pas que scénaristiquement parlant. Hein. C'est clair. Euh, on suit Ok, on est dedans. Ça te dit quelque chose, ça Non, du tout. Ça, c'est L'île <laughs> aux Pirates. L'île Pirate, un film qui date de 1995, 95. Euh, C'était un film qui était tombé comme ça à l'époque, plouf, sur le monde des pirates. Euh, j'ai adoré, franchement j'ai adoré, mais il est vraiment pas frais du tout euh, dans, 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 dans mon esprit. Hein, bien sûr, euh, je sais qu'il y avait, euh, si je ne me trompe pas, que je lise ici, hein, euh, un film de Reni Harlin, C'était surtout, euh, c'est ça. Euh, Gina Davis dans le rôle d'une merveilleuse euh, corsaire superbe, franchement, euh, on, a, on la voit derrière. Elle est super belle, <laughs> elle est super belle. Et, et je me souviens que ce film était tombé comme ça, euh, le mythe du pirate. Contrairement à maintenant, tu vois, maintenant les pirates des Caraïbes, on ne parle que de ça. A, que... Quand ce film est sorti, euh, il y avait quand même eu euh, euh, quelques années avant le pirate de, de Polanski. On y revient d'ailleurs tout de suite dans ah, la okay, dans 80. la liste. Et puis il y a eu celui-là. Franchement, c'était génial. Et il y a deux images de ce film qui me viennent. Euh, un pirate, imagine-toi, qui avait gardé la... la carte de trésor tatouée dans son crâne. Son... Ah ça voilà. Maintenant, maintenant, ça tenait quelque chose. Maintenant hein tu me dis cette scène-là. Et, oui, et, et, et le gars meurt. Ils oui, le scalpent oui, 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 et prennent. Et, et cette et... scène-là. oui. Bah, ouais, et alors. Ça des... vient de là, ah, ouais, de ouais, Et alors déjà, techniquement parlant, visuellement, l'explosion du, du, du galion. Pff, magnifique. Franchement, j'avais vraiment beaucoup 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 aimé. Et puis vous, tu reconnaîtras Andres la, la, pochette, la, oui, la, la jaquette, jaquette, la pochette, elle, elle est, a de la gueule elle hein. A de la, gueule, ouais, ouais. Hein, la typographie l'îlot pirate ouais. et tout. Ça fait bon, <laughs> ça fait Indiana Jones, on va pas se mentir, le style. Ouais. Tu vois ah, mais ben j'ai toujours adoré. Génial, franchement, j'ai pas, j'ai pas attendu, euh, euh, les, les pirates des ah Caraïbes. Vous pourrez aimer les pirates. Vous ouais. aimer les pirates. D'ailleurs, si je suis honnête avec vous, moi, mon petit préféré, c'est L'île au trésor. On en a fait un chronique movie l'année dernière avec, euh, Orson Welles. Non, ça, euh, ouais. Magnifique. Ça, ça a été le film de mon enfant. J'adore. Euh, pour la petite histoire, j'ai même relu le roman cet été, <laughs> imagine-toi. Ah, tu veux. Ouais. Mais, mais, mais ça ici, on vous le présentera donc, euh, dans notre prochain, encore une vidéo flash. Une vidéo flash. Donc, euh, L'île Pirate et il vient bien en 4K Ultra HD, mmh. plus la galette Blu-ray. Oh, Ils ouais, font ouais. vraiment bien les choses pour un film qui, de mes souvenirs à moi, le mérimère. Regarde comment elle est bien roulée. Hein, oh, est... Ouais. Tu regardes que ça en plus, toi. <laughs> Non, Donc, mais je remarque, en fait, tout, ouais. tout, tout, tout le Steelbook, c'est ca... une carte de trésor. Ouais, ouais. C'est pas, pas juste le devant, c'est vraiment tout, 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 tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y a pas de goodies dedans si on en ferait un collector, oh, parce ouais. qu'il est vraiment bien foutu. Donc voilà l'île opératoire, on en était à ah, euh, aux complices. Les, les complices, ben moi vous savez, hein, si vous commencez à connaître le personnage, <laughs> moi François Damiens, il sort, j'achète caméra cachée, j'achète film, j'achète. Ben tout, voilà. Tout, 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 après euh, comment il s'appelait encore le, le dernier Monquette, je... non. Non, il y a monquette, mais euh... Euh, dernièrement on avait mon. Ouais, donc euh, après Jack Mimoon, hein <laughs> Vous pouvez rire, hein moi aussi, ça me fait rire, c'est pour ça que je les achète. Euh, on passe maintenant au complice. Ben, là, François Damien jouerait le rôle d'un ancien tueur à gages euh, qui reconverti, ouais, reconverti, euh, qui essaierait de rentrer tout doucement dans la société. Il a des problèmes ne supporte plus la vue du sang, mais euh, son passé le rattrape euh, très vite. Donc, je m'attends pas à grand chose. Ça va défouir, et il me faut pas grand chose avec lui. Rien que de l'entendre parler, moi. Euh... Ouais. Tu l'avais vu d'ailleurs, toi, Jack Mimoun Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Euh, T'as aimé, non? C'était, moi, je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est digne d'une production euh... hollywoodienne. hollywoodienne. Sincèrement, hein. Parce les paysages. Les paysages, chouette quand même. Hein les les ouais. décors, les effets spéciaux, euh, ouais, tout était beau. C'était bon, excellent. Tu, 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 tu... Bah, évidemment, tu, ne vas pas t'attendre à. Bah, non, non, il faut prendre mais, un film. Mais, euh... mais, mais, mais pour un film. Euh... C'est vrai que si tu regardes visuellement. Ouais, euh, c'est ça. Monquette euh, ou, euh ou Dick and oh, hey. oh, oh, Ça ça, c'est, là, là, il là, y a, a eu... oh, il ouais. y, 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 y a des il cascades a... et tout, on voit que, oh, ouais. Des cascades et pas que, hein. Stabilise, ouais. elle est magnifique, quoi. Cha Sacré François, il nous étonnera toujours, l'enfoiré. la montée de grade ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Les producteurs, euh, ils ont bien mis, euh... ouais l'argent comme on dit c'est clair, je regardais ici notre dernier ben, on revient de nouveau sur Les Pirates mais cette fois-ci de Polanski en 1986 je vous en parlais euh, le film revient et il n'est pas facile à voir ce film, hein. alors pour la petite histoire sur Pirates de Polanski je vous dirais ceci moi de mes souvenirs et je ne pense pas trop me tromper ça a été euh, le premier support un des premiers supports en tout cas Ça, je pense même que c'est le premier support Physique DVD à être vendu en tout cas ici en Belgique. En Belgique. Okay. Et si mes souvenirs sont bons, il était sorti sur euh, euh, TF1 Vidéo. Okay. Donc je me demande si euh, ça serait pas la même chose pour la France. En tout cas, si c'est pas le premier, ça a été euh, un des premiers et puis euh, plus rien. Et il nous revient, mais attention, attention, il nous revient. On fera d'ailleurs une vidéo collector, une vidéo collector sur. Euh, sur ce pirate de Polanski parce que l'un d'entre vous, on gardera le nom pour nous, nous a gentiment refilé le tuyau, un, filon, un, filon. un super filon, euh, on va y revenir en longueur. Dans la vidéo, là, on dira dans, tout dans la vidéo. Mais euh, il s'agirait de... il s'agirait, ben... non, il s'agirait pas, il s'agit d'une... Euh, il s'agirait d'un distributeur euh, en Espagne, donc on vous dit tout. Moi personnellement, j'ai euh, commandé euh, Pirate de Polanski, nous revient en édition collector 4K Ultra HD. Avec des goodies, avec des, des goodies, photos et tout, voilà. ce qui en fera donc forcément, contrairement aux autres Steelbook, mmh. une mmh. vidéo collector. À la différence, c'est qu'André, c'est à côté de moi, et on prend vraiment notre temps là, à ce moment-là, pour euh, découvrir le, le, contenu. le précieux objet. Donc, euh, à ne pas manquer. Et puis, eh bien, il y a celui-là. <laughs> y a celui-là, Jean Valjean, Les Misérables. Donc, euh, un film magnifique au prix euh, imbattable oh. de 0 euros. <laughs> parce que André s'est parti faire une petite commission euh, pendant le boulot. Et à son retour, il est venu avec 4-5. Euh, tu avais du Harry Potter dedans, non Harry Potter, Pirates des Caraïbes, voilà. euh, Cymbal Marin. Hein. Euh, et j'en passe et bon et notamment il y avait les misérables dessus. Voilà et il y avait les misérables Jean-André si tu permets suis là il faut oh, bien sûr je te l'offre avec plaisir j'avais déjà l'ancienne version noir et blanc avec Jean Gabin je pense je me refais ici le film donc euh, avec Christian Clavier, John Malkovich et bien sûr Gérard Depardieu c'était un film qui qui était passé à la télé et donc euh, téléfilm hein, donc une durée ben tu vois à la durée hein, c'était c'est pas mal, 6h40, 6h40. 6 h 46 6h40. Bien sûr, bien sûr. Ouais, il, faut prendre, il faut prendre son <laughs> temps avec les bonnes choses. Donc, euh, l'intégrale. C'est euh, hein, oh, ouais. euh... magnifique. Euh, un grand merci, Andrés. Je euh... t'en prie. Même si tu t'es pas foulé, hein, tu t'es bon, juste bon, abaissé. C'est juste... <laughs> ah, Merci. Bah, C'est vieux. Hein. Ouais. Donc, il n'y a ouais. même, pas, même pas de sérigraphie, rien. Comme à quatre, la belle époque Il y, y a quatre faces. Ouais. <laughs> Par contre, euh, nickel, quoi. Hein. Euh... Non, il n'y a rien du tout. Ils, ouais. ils sont y, nickel, Il semblerait ouais. malheureusement que. Le support physique, les gens, ça ne leur intéresse plus. Donc, je ne sais pas si cette, ben, si justement, c'est une vidéo. Vu que celle-ci est la première au moment où on enregistre, on revient très bientôt, justement, sur la fin du support physique. Malheureusement, les gens commencent à jeter ça dans la rue. Donc, hmm. euh, on revient euh, ben, quasiment, nous personnellement, tout de suite, juste derrière cette vidéo aussi. Et vous, ben, probablement aussi dans quelques jours, sur notre prochaine vidéo, qui, comme vous l'aurez compris causera euh, du support physique. La fin, point d'interrogation, en attendant, profitons de nos, nos beaux coffrets. Il y en a une flopée, donc ça en fait combien Un Steelbook, deux, deux Steelbooks, un collector, trois, trois steelbooks, steelbooks, quatre. Donc ça nous fait quatre vidéos flash, plus euh, une collector, okay. et euh, pirate de Polanski qui devrait venir, deux collectors. Et je pense que le... Il y avait un autre, elle les, les évadait. Ouais, oh. Le Volt Edition, ça c'est... Faites-le compte, faites le compte vous-même, les amis. Il euh, y a du boulot. Hein. Donc, Il y a euh, des vidéos qui vont tomber. À fond, cas. à fond, et des belles. Hein. Allez, à très bientôt pour ces prochaines vidéos. Likez si vous avez aimé celle-ci et venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.